Bonjour, je m'appelle Nicole Journeau et je vais vous présenter la flûte à bec que j'enseigne à l'école de musique de Puyi. Cette vidéo a été faite pendant la période du Covid-19 avec enthousiasme et amour de l'instrument, mais avec les moyens du bord. Les enregistrements des élèves ont été faits dehors, sous un préau couvert et parfois avec un fort bruit de gouttière en arrière-fond. En complément à cette vidéo, n'hésitez pas à m'appeler au 079 772 06 11 pour toute question, essayer les instruments, venir écouter en cours. La flûte à bec est un instrument à la fois très connu et très mal connu. Beaucoup de familles ont une flûte à bec qui traîne au fond d'un tiroir, mais très peu de gens savent ce que l'on peut réellement faire musicalement avec cet instrument. Et souvent, on ne sait pas qu'il existe des flûtes à bec de différentes tailles. Voici l'instrument le plus connu, la flûte à bec soprano. Et maintenant, un extrait musical joué par une jeune demoiselle de 9 ans après 2 ans de flûte à bec. Petit intermède. Une mini flûte. Et maintenant, un extrait d'un travail que nous avons fait en collaboration avec la classe de Clavecin. Un petit élève de Clavecin nous a envoyé un fichier. Nous l'avons utilisé pour rejouer par-dessus. Et voici quelques notes de flûte alto, un extrait d'une fantaisie de Telemann. Cet instrument est le principal représentant de la famille des flûtes à bec. Et maintenant, nous allons écouter un trio de la Renaissance italienne joué par 3 adolescents qui jouent soprano, alto et ténor. En intermède, quelques notes d'une flûte en céramique, flûte double. Thank you.
ténor. Soprano. Les contacts humains seront toujours plus chaleureux qu'une vidéo. Alors, si vous avez envie d'essayer les instruments, d'écouter un cours ou de me poser des questions, n'hésitez pas. Je serai toujours là pour vous répondre au 079 772 06 11. 079 772 06 11. Belle musique à vous !